Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec vous. Je dis à nous allons parler justement de. Nous allons parler de citizenship, notamment des changements, des décisions qu'il prend. Tu as un fédéral juge dans Utah depuis jeudi dernier. Il déclarait, il ne va pas faire Donald Trump content même, il déclarait que. Eh bien, les gens qui vivent, en fait, ça veut dire les Samoa. Samoa, c'est une région, une île, pas oublier que là, bon, Porto Rico, Virgin Islands, c'est des zones séparées des États-Unis. Zone ça, là, en fait, là-dedans, automatiquement, ils sont citoyens. Mais il était différent pour les gens qui fait dans le territoire Samoa. Mais lui-même, il déclarait que, il prend décision pour dire que tout le monde qui fait dans côté ça, qui est les Samoa, automatiquement, viennent aux citoyens. Vous comprenez ça? Ça veut dire. Ce n'est pas une petite décision basée ça. Il a alors parlé de citizenship. C'est mon ça, so, Samoa, c'est le National of USA. Yon titre qui n'est pas bayo doit voter. Yon titre qui n'est pas nécessairement bayo doit pour occuper des postes électifs dans le pays. C'est le National. Mais juste ça, lui dit que, lui pense que le quatrième amendement est clair sur ça. Depuis que nous avons fait sur le territoire des États-Unis, hein, même lorsqu'ils sont territoires incorporés, eh bien, ou supposés automatiquement citoyens. C'est ainsi que, eh bien, l'I dit que, yo, l'I normalement dit, depuis, tout le monde sait, l'I bat au doigt, depuis au fait pour avoir un passeport, il passe l'autre jour au passeport américain. Donc, une décision qui est vraiment problématique pour l'administration Trump, qui va qui ça veut dire, dit qui automatiquement, il y a un pile monde qui vient à citoyen. Et donc, j'ai un peu de CIA. Ça pour nous comprendre, parce qu'il faut nous bailler là bien. Normalement, zone ça, Samoa, gouvernement pays ça, tout, ça va nous bien équilibrer. Ils n'ont pas d'accord, tout. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin. Allez bien. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont un citizenship là, avec gouvernement dans Samoa. Parce que ils ont dit que si on veut faire que ils ont un citizen, ils ont des traditions, ils ont des cultures, ils ont ensemble bailler la caillou, eh bien, lorsque vous venez automatiquement US citizen, la plus menace pour peuple yoa. OK? La plus menace pour peuple yoa, c'est en ce sens que yo même yo dérefusé catégoriquement pour yo accepter automatique citizenship. Bah en pile l'autre côté de capable chercher, que yo pas. Mais par contre, pas oublier que l'autre dit Samoa yo tout côté, il y a plusieurs aux États-Unis. Groupe qui mène bataille, c'est tout groupe qui vit aux États-Unis. OK? Parce que ils ont senti que, effectivement, ils ont genre diminué lorsqu'ils ont dit c'est seulement National of USA, ils ont bon bagaille qu'ils n'ont pas fait. Et notamment dans la zone Utah, c'est un groupe qui a vécu dans Utah qui menait leur soute ça. Parce que là, ils ont dit c'est non-US citizen, non. Ils ont trouvé National of US, ils ont en mi-temps. Donc ça a diminué. Yo. Donc, ils n'ont pas qu'à policier, ils n'ont pas qu'à firefighter, ils n'ont pas qu'à militaire officer, ils n'ont pas qu'à border patrol agent, ils n'ont pas qu'à FBI agent. Donc, yo choisi pour mener un bagage ça pour faire un procès avec elle. C'est ainsi que le juge là, justement, lui déclarait que tout le monde savait citoyen. Mais il se trouve que, décision ça va te prendre le jeudi, vendredi, juge là, regardez bien ça, juge là, le juge là dit que, lui mettait, par contre, pour qui ça, très tellement grand, puis le monde qui conseille, qui dit que décision prend là, son bagage qui est grave, parce que quand même, il s'agit de citizenship de pile groupe monde. Et impact que le gagne, est-ce que qu'on est là, gouvernement Samoa qui dit pas besoin, ben comme ça, est-ce qu'il y a un juge de l'extérieur qui a imposé, c'est là que la question, citizenship avec un groupe monde qui dit pas besoin, ben comme ça. Bon, de toute façon, le juge n'a pas raison, mais jeudi vendredi, il prend l'autre décision. Il n'arrive pas à la décision, non. Il dit, il mettait un stay sur décision ça. Ça veut dire qui ça? Il dit que décision est toujours là, mais l'attend que appel code prononcé. Parce que pour lui-même, il clair, il était clair que Samoa a supposé jouir tout privilège de yon US citizen. OK? Maintenant, faut nous dire, cause US citizen, non? Ça t'est parlé tout, et dans semaine, non? Et t'es gagné des notes. Parce que là, avec, pendant qu'on parle de ça, il y a des notes qui sortent sous cause good moral character, ça n'est pas lorsque vous avez de très bonnes
caractère moral, nous connaissons que c'est une variable lorsque on va passer le test. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a regardé si ou légal, mais il y a regardé action. Il y a été bien clarifié plus. Exemple qui a fait un monde ou gagne un mauvais moral caractère et que ou automatiquement pas éligible ou yon citoyen parce que vous pensez que faut avoir des exemples pour clarifier nous et nouveau exemple ça ou capable par exemple ça nous relé bank fraud. OK, bank fraud avait dit la transaction bancaire ou tu fais fraude bancaire et si que ou pas faire taxe ou bien encore ou pas payer taxe. Donc ça est important. Pablie que nous allons commencer à arriver dans la taxe maintenant, vous changez ça. Ça veut dire que de vous parler à ces citoyens, vous devez taxer, dégager, vous payez, dégager, vous faites un plan de paiement avec vous. Si vous devez vous payer, vous parlez la donne. Vous parlez tout, vous avez fait face, clem, vous avez fait justement, vous avez fait des déclarations frauduleuses pour vous dit que vous êtes citoyen. Ok? C'est des séries de bagailles qui ont justement preuve que vous n'avez pas gagné un bon moral caractère. Yo parlé tout de falsification of record. Il dit des documents. T'as pas des faux documents. Nous avons le dit. T'as pas des faux documents. Assurance est trop importante. Si t'as fait des fraudes qui liées avec assurance, yo t'as pas des mauvaises informations. Et nous connaît gain en pile monde si tout les Obamacare, yo pas mettre comme yo fait avre pour capable payer. Donc ça capable une cause tout. Qui faut voir les citoyens parce qu'ils disent que ou fait preuve de mauvaise moral caractère parce qu'ils parlent de insurance fraud. Ok, même j'ai tout si gain social security fraud, nous on avait dit c'est au niveau bah, des informations qu'il faut au niveau de l'administration social security on va pas ouvrir ta information et donc bon, gen bagay, yo parle de violation embargo sou tan son pays ta embargo, pa ta vwe bay bali ou al vwe bay bali, donc ça tout. Yo parle de vote, mais c'est que tout moun konn sa pa ka voter. Sa pa gen droit vote, OK? Même là on enregistre simplement son tête chargé. Tout moun konn sa. Pa ka enregistrer. OK? Donc c'est semaine ça et attorney général là justement en dit responsable USCIS là, te mette précision sous causé good moral caractère. Il dit de très bon caractère moral qu'on suppose gagner qui c'est une caractéristique justement lorsque on parle derrière US citizens. OK, c'est à dire taxou ou que sous bay menti la donne li capable une raison qui fait que ou pas US citizen parce qu'on bay menti. OK, donc rappelez-nous bien de l'histoire ça. Yo te parlé tout de causer bon ba k ap parler là côté que c'est à clouk mené process ça. Yo commencé par faire yo payer d'ailleurs payer déjà côté que gagne pile US citizen que IC qui c'est agence deportation li prend moun ça yo en moment. Et ouais ou pas c'est qu'il a payé. Ou pas gagne droit arrêter IC par comprendre bien l'ordre IC c'est agence qui responsable déportation. L'homme mette moun dans prison et qu'on t'a pas déporter. OK? A clou a fait au pays. Ça y déjà, ville qui te fait ça, li gote a payé 190 000 $. Mais maintenant, koun y la, a clou a cherché pour que IC prenne responsabilité par rapport avec cas ça, yo, des cas de série de US citizen que yo arrêté, que yo mette en jail. Et yo connaît pessimement de vous parler de deportation, ça pas de rapport avec US citizen ou pas qu'à déporter US citizen, complètement impossible. À moins que ou ta joigne que pour raison pour l'autre, lorsque mon sa d'avoir le citizen, il dit bah menti, et ça va faire ça, on va pas déporter, d'abord on va bien pouvoir retirer citizenship. J'en ai dénaturalisé, pour dénaturaliser, il faut rejoindre que vous te font fraude quelque part, vous te font erreur, et dans le processus là, qui vient faire que vous font remise en question de lui. Ok? C'est comme ça vous dire. Et maintenant, vous n'avez pas dit tout, il y a combattu que, assis depuis vous avez la rito, même là, vous va pas. OK, on va carré on va parler avec personne monde. Pas grand ken communication. Donc yo pensez que système là manqué transparence. Si ça fait gagner série de monde que yo kembe de manière illégale, moun n'a pas carré pour demander un papier autre. Bien que yo même yo fait erreur pa yo, mais c'est business pa yo, faut prendre responsabilité. OK, c'est job yo pour vérifier
effectivement, est-ce que mon avis est citizen? Et il y a plusieurs cas et à clou décidé de mener la justice pour qu'il prenne responsabilité par rapport à plusieurs cas d'injustice flagrante. Côté que des gens qui sont US citizens, et ils ont parlé de à peu près, depuis qu'il existait de 2008 à nos jours, près de 20 000. Près de 20 000. On dit qu'ils parlent de 20 000 US citizens qui ont été mis en prison. 20 000. Comment ça veut dire? C'est vrai, mais là, c'est le fait qu'ils ont fait trois groupes pour aide, ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas quitté mon la caillou, ils ont mis en côté, ils ont fait silence. Donc, il dit faut que yo parce que dit que yo attend de la part de une telle agency que il y a un high standard qu'il pas faire n'importe bagaille. OK? So et à clou pour aller relayer la justice pour être ça, yo beaucoup dit combien on va le faire au payer. Donc mais on va tient à ce que yo prend responsabilité yo par rapport des autres ça qu'a fait là. OK? Donc voilà, c'était un update nous devons vous justement les coups bagay qui ont rapport avec US citizenship, et décision juge là, good moral caractère là, il y a plusieurs exemples, il y a précisé lui, et puis des cas de US citizen que IC a arrêté, qui a cloudi, il y a le fait payer pour ça. Bien que vous venez là, il y a après, mais il y a des manières de faire que vous l'avez, mais vous avez fait que vous passer dans la prison, il faut que vous payez pour ça, d'après justement IC. Et c'était un plaisir pour nous avec vous, pas oublier. Vous toujours été connecté avec nous, appuyez le bouton subscribe là. Et appuyez la cloche là pour capable de notification information que nous partageons. Portez-nous tout bien.